suis l'adjudant-chef Crouvesier-Laurence et je suis météorologiste au centre de Vol-en-Montagne de Sainte-Léocadie. C'est-à-dire d'abord à 500 HPA, c'est-à-dire à 5500 mètres d'altitude. J'ai fait l'école de météo à Toulouse, donc c'était il y a longtemps. Et après, j'ai été affectée d'abord au Luc en Provence, puis ensuite à Dax et après ici. Mistral, le vent est canalisé. Je suis arrivée en 97. Ensuite, je suis passée dans la réserve en 2006 et depuis, je fais donc de la réserve, c'est-à-dire je viens quand les stages sont là. Donc de 6h à 10h, j'ai le treillis sur le dos et je fais la météo pour les pilotes, donc pour l'armée, au profit des armées. Et ensuite, à partir de 10h, je mets ma tenue d'alpiniste et puis je vais écumer les montagnes. Bon, allez, bonjour tout le monde. Alors ça consiste ici à la base à faire donc les prévisions météo pour les stagiaires pilotes qui viennent régulièrement chez nous. Donc ça peut être des stagiaires français comme étrangers. Donc je suis chargée de leur présenter le briefing météo tous les matins parce qu'ils sont demandeurs en fait pour savoir ce qui va se passer dans les zones de vol. Donc ça peut être le vent, les températures, le temps qu'il va faire, s'il va neiger, etc. quoi. Ils sont demandeurs, donc même des fois ils viennent ici, entre deux vols, savoir comment que ça va se passer. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai le retour aussi. S'il y a, le modèle prévoit par exemple 60 nœuds de vent en altitude, et ben, je leur demande le lendemain, est-ce que vous avez vraiment eu ça? Parce que quelquefois, les modèles ne sont pas fiables à 100%. Quoi, hein. Donc c'est bien d'avoir un retour des choses, savoir si effectivement j'étais dans le vrai ou pas. Quoi.